La khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Normalement, des khutbahs comme ça, on devrait les entendre pas tous les vendredis, mais tous les jours. Mais vous savez pourquoi on les entend pas? Parce qu'on veut pas. On veut pas quoi? On veut pas que la communauté musulmane s'unisse. On veut pas que la communauté musulmane, elle s'unisse. Écoutez bien mes chers frères. Vous savez ce qu'il a dit Ahmed Didat, Rahim Allah? Il a dit les pires ennemis de l'islam sont les musulmans. Le pire ennemi de l'islam sont les musulmans. À cause de leur comportement, ils dénaturent l'image de l'islam. Mes frères, le diable c'est un rigolo. Je vous le dis, le diable c'est un rigolo devant le musulman. Le pire ennemi de l'islam, c'est pas le diable. Même s'il y a 53 fois dans le Coran, Allah mentionne que le diable c'est notre ennemi. Mais c'est pas le pire. Le pire c'est qui? C'est le musulman. Alors mes chers frères, c'est quoi le danger de cette communauté? Le danger de cette communauté, c'est la division. On va commencer par un verset du Coran. Mais avant ce verset du Coran, parce qu'on a tendance, nous, quand on entend les versets du Coran, ils rentrent là et ils sortent là. C'est bizarre. On dirait qu'on ne croit plus en Allah. On dirait qu'on ne croit plus au Coran. Mais quand on entend les paroles des êtres humains, c'est dingue, ça nous donne la chair de poule. Alors je vais commencer par les paroles de ce bas monde, et j'espère, Inch'Allah, que quand je vais donner le verset du Coran, ça va faire des effets fois mille. Mes frères, il y a quelque temps, en France, il y a une personne qui s'est fait condamner par le tribunal correctionnel, selon l'article 251, à 6 ans de prison. Waouh! On voudrait bien savoir pourquoi il a pris 6 ans de placard. Parce qu'il a diffusé intentionnellement le virus du sida. Qu'est-ce qu'on se dit? Bah, il mérite ce qu'il a. Alors, il a transmis le virus du sida, il a pris 6 ans de prison. On est touché, hein? J'espère qu'on va être touché par ce verset du Coran fois 1000. Hein. Allez, c'est parti. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat An-Nur, chapitre 24, la lumière, verset 19. Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adabun alim fi dunya wal akhira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Et ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce bas monde. Il y a un châtiment douloureux dans l'au-delà, vous ne savez pas, et Allah sait. Maintenant, on a compris pourquoi Allah est en train de nous châtier. On a compris pourquoi Allah descend son châtiment dans la communauté musulmane. En tant que vivant, où on est musulman, on ne comprend pas pourquoi Allah descend son châtiment. Bien sûr qu'on comprend. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de quoi? Dénigrer les musulmans, humilier les musulmans, rabaisser les musulmans, condamner les musulmans, critiquer les musulmans, calomnier les musulmans. Insulter les musulmans, du matin au soir. Le pire ennemi des musulmans, c'est le musulman. On le sait tous. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il va descendre son châtiment sur qui? Sur cette communauté. Allah, il le dit. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants, ils veulent le farcha, al-farishatou, Allah prépare un châtiment douloureux. Et aujourd'hui, la communauté, on sait très bien qu'on est en train de subir un châtiment de la part d'Allah. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de casser du sucre sur le dos des musulmans. Deuxième verset du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, regardez ce qu'il dit. Dans Surat al-Isra, le voyage nocturne, chapitre 17, verset 53. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Il parle au messager d'Allah pour s'adresser au monde musulman jusqu'à la fin des temps. Et dit à mes serviteurs, on est bien les serviteurs d'Allah, hein, et dit à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Allati hiya ahsan. Il n'a pas dit Hassan. Ahsan. Et dit à mes serviteurs de parler de la meilleure manière, car le diable ne va pas tarder à les diviser. Car le diable est votre ennemi. Aïe, on a compris pourquoi le diable est en train de nous diviser, la communauté musulmane, 1 milliard 800 millions. Pourquoi? Parce qu'on se parle mal. Tu parles mal à tes parents, et puis les parents parlent mal à leurs enfants, et les musulmans se parlent mal les uns les autres sur les réseaux sociaux. Non, ils se critiquent, c'est encore pire. Ils s'insultent, c'est encore pire. Ils se dénigrent, c'est encore pire. Voilà, Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Et nous, les musulmans, on n'a pas le droit de parler autre que de la meilleure manière. Oui, on est connus dans le monde, nous les musulmans, et on doit être connus jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Pour avoir le meilleur discours, la meilleure communication, la meilleure parole. Oui, Allah le dit. Dis à mes serviteurs de parler de la meilleure manière. Car autrement, le diable ne va pas tarder à les diviser. Vous voyez mes frères? Allez, on va encore enchaîner. Je vous demande tous une faveur. Mais pour cela, il faut aimer Allah et son prophète. Surtout, il faut aimer Allah. Je vous demande une faveur ce soir quand vous allez rentrer vendredi, c'est ça?
à la maison. Ouvrez le Coran. Ouvrez le Coran par pitié. Et rentrez, écoutez bien, dans la sourate Nour. D'accord? Chapitre 24, la lumière. Et lisez seulement 9 versets. Je vous demande que 9 versets. Du verset 9 au 19. C'est pas beaucoup. Mais quand vous rentrez, asseyez-vous bien. Concentrez-vous bien. Et lisez le verset 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et si vraiment on craint Allah, là mes frères, on aura la chair de poule. Regardez ce que Allah Ta'ala dit. Pour innocenter les détracteurs qui ont voulu calomnier Aïcha radiallahu anha d'adultère. Regardez ce que Allah dit dans le Coran. Et ceux qui colportaient avec leur bouche et qui disaient avec leur langue ce dont ils n'avaient aucune connaissance, aucun savoir, ils ont inventé. Ils ont inventé, ils ont monté une histoire sur mesure, un scénario. Et ceux qui colportaient avec leur bouche et qui disaient avec leur langue ce dont ils n'avaient aucune connaissance, ils portaient cela comme insignifiant, hayyinan, alors qu'auprès d'Allah c'est azim, c'est énorme. Vous voyez mes chers frères, il y en a qui ont voulu calomnier Aïcha, mais regardez bien, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit? Allah a dit, et pourquoi ceux qui ont voulu calomnier n'ont-ils pas apporté 4 témoins? 1, 2, 3, 4. Et celui qui n'apporte pas 4 témoins quand il veut calomnier, c'est lui le menteur auprès d'Allah. Tu peux faire la prière toute la nuit. Tu peux l'amara chaque année, tu peux jeûner, lire le Coran, ce que tu veux. Si tu commences à calomnier un musulman, tu es un menteur auprès d'Allah. Allah dit, et ceux qui ont voulu calomnier, alors qu'il rapporte 4 témoins, et celui qui ne rapporte 4 témoins, alors qu'est-ce qu'il a? Devant là, c'est un menteur. Allah s'adresse à qui Allah? Il s'adresse à nous tous. Vous voyez mes frères? Aujourd'hui, pourquoi le musulman, il est comme ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on est devenu faible. Qu'est-ce qu'Allah a dit encore dans le Coran? Surat al-Anfal, le butin, chapitre 8, verset 46, surat médinoise. Allah dit, wa ati'u Allah, wa rasulahu, obéissez à Allah et à son messager de Dieu. Nous, on ne veut pas obéir à Allah. On ne veut pas obéir au messager de Dieu. Non, le cheikh, il a dit, lui, il a dit, c'est un truc de fou. En fin de compte, on écoute les fatwas des gens et on n'écoute pas les paroles d'Allah. Vous savez, j'ai entendu la parole d'un savant. Ça fait 30 ans de ça. Vous savez ce qu'il a dit? Ça fait peur. Il a dit, man halla. Man haram Allah, wa man harama, man halal Allah, la yu'min bil Qur'an. Celui qui rend halal, ce que Allah a rendu haram, et celui qui rend haram, ce que Allah a rendu halal, il n'a pas la foi dans le Qur'an. Nous on écoute la parole d'Allah, c'est pas un mufti qui va te faire une fatwa pour changer le verset du Coran. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Obéissez à Allah et à son messager, et ne vous divisez pas, wa la tanaza'u. Ne vous divisez pas, ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas, autrement vous allez vous affaiblir et après vous allez perdre votre force. Honnêtement, où est la force des musulmans? Il n'y a plus rien. Pourquoi on n'a plus de force? Parce qu'on est faible. Pourquoi on est faible? Parce qu'on dispute du matin au soir. Chaque année, les gars, il y a le festival de Cannes. Hein, c'est ça, pour le meilleur film, c'est la Palme d'Or. Si chaque année il y avait le festival de la calomnie, on aurait la Palme d'Or, les musulmans. On aurait la Palme d'Or. On est les champions, les numéro un sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux, on est numéro un de la calomnie. On est les champions. Alors le pire ennemi de l'islam, c'est le musulman. C'est pas le diable, c'est un rigolo le diable. Enfin donc c'est pour chamer chaque frère. Pourquoi on est musulman aujourd'hui, on est divisé? Parce qu'on se critique, on se calomnie, on s'humilie, on se déteste. Ah c'est pas Pierre Paul Jacques est un tampon qui va te jeter les rines. C'est pas c'est quoi? Non, ce sera un musulman qui te fera le rine. C'est pas Pierre Paul Jacques qui va te faire la jalousie. Non, c'est un musulman qui sera jaloux. C'est pas Pierre Paul Jacques qui va te faire le sourd. C'est un musulman qui va te faire le sourd. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur d'en arriver là. Ça fait mal au cœur de savoir qu'on est divisé. Et rien de pire, c'est quoi? C'est qu'on ne veut rien faire pour s'en sortir. On ne veut rien faire pour s'unir. On n'a pas des solutions. Ça fait 14 siècles à la novée du Coran. Toutes les solutions, elles sont dans le Coran. Et le messager de Dieu, il vient avec cela. Regardez mes chers frères. Dans le recueil des imams muslims, 2660, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Shaitan a désespéré d'être adoré par les moussalloun. Par les moussalloun, nous on fait la prière. Shaitan a désespéré d'être adoré par les Moussaloun dans la péninsule arabique. Mais il n'a pas désespéré de mettre quoi? La zizanie entre eux. Tahrish baynahum. Shaitan, il n'a pas désespéré de mettre la zizanie entre ceux qui prient, là, les prieurs. Ils s'occupent de nous, mes frères. Alors écoutez ce hadith. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, 5505, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et là on fera très attention à ce qu'on dit. Très attention à ce qu'on dit.
C'est pour ça que ce proverbe est bien connu. Tourne ta langue 7 fois avant de parler. Le prophète, alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il dit? Yu'ta bi rajulan yawm al-qiyama. Fa yulqi fin-nar. On ramènera un homme le jour du jugement, on le jettera en enfer. C'est bon, on dit, tiens, rentre par ici. Non, on va le jeter en enfer comme on jette les poubelles. Le jour du jugement, yu'ta bi rajulan yawm al-qiyama, fa yulqi fin-nar. On le jettera en enfer. Alors regardez bien, ses entrailles sortiront de son ventre et ils tourneront autour de lui. Comme une meule, comme un âne, tourne autour d'une meule. Tes entrailles, elles vont sortir de ton ventre, elles vont tourner autour de toi, comme un âne qui tourne autour d'une meule. Regardez bien la suite. Un ishtimer, un grand rassemblement. Les gens de l'enfer vont se réunir, tous. Tous les gens de l'enfer vont se réunir, alors qu'ils sont en train de cramer. Ils sont en train de cramer, mais quand même, ils vont se réunir. Pourquoi? Parce qu'ils seront choqués. Choqués qu'une personne va être en enfer, pas lui, moi oui. Moi, j'ai fait tel péché, je reconnais, j'ai fait tel péché. Mais pas lui, c'est pas possible. Les gens de l'enfer vont être choqués. Ils vont dire, malaka, mais qu'est-ce que t'as? Pas toi, pas toi, c'est pas possible. Toi, t'étais connu sur la terre, t'étais un influenceur, t'étais un tiktoker, un youtubeur, un conférencier, ce que tu veux. La bonne parole, elle sortait toujours de ta bouche. Pas toi, vous savez ce qu'il va dire les gens? Ce qu'ils vont dire, Allah ta'mun bil ma'aruf. C'est pas toi qui recommandais le bien sur la terre et qui interdisait le mal? Il va dire oui, c'est moi sur la terre qui étais connu, je recommandais le bien mais je le pratiquais pas. J'ai interdisé le mal, mais je le faisais. Mais mes frères, les gens de l'enfer, c'est qui? C'est des gens qui sur la terre, c'est les champions du blablabla. Bla bla bla. Mais pour pratiquer, non mes frères, on n'est pas là. Alors nous, le problème, c'est qu'on ne va pas réunir la communauté musulmane. Personne ne veut réunir cette communauté qui est déchirée. Qui est déchirée. On le sait, c'est une vérité. Alors que mes chers frères, le but du quoi? C'est de s'unir. Regardez ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran. Surat 40, le pardonneur, verset 46. Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Et quand ils se disputeront en enfer. Mais vous vous rendez compte? Ils sont en train de brûler et ils vont se disputer. Vous savez, c'est un exemple, c'est comme deux personnes sur cette terre, ils ont fait des larcins, et puis l'autre il va en tôle, et puis l'autre il va en tôle, parce que l'autre a balancé l'autre. Donc les deux sont au placard. Et quand ils vont se disputer en enfer, ils craignent, ils vont se disputer, parce qu'ils vont se jeter l'opprobre et l'anathème, hein, la faute sur l'autre. Quand Allah dit, et quand ils seront en enfer, ils vont se disputer. Écoutez bien, les du'afa, Allah dit les faibles, vous savez c'est qui les faibles? C'est ceux qui suivent, les suiveurs. Les faibles diront aux orgueilleux, après on verra c'est qui les orgueilleux, hein. Les faibles diront aux orgueilleux, et c'est à cause de vous qu'on est en enfer, parce qu'on vous a suivi. Pouvez-vous alléger une part de notre souffrance? Les orgueilleux diront aux faibles, mais vous nous avez suivis, il ne fallait pas. Maintenant c'est le jugement d'Allah, on crame tous les deux. Vous avez vu? C'est qui les orgueilleux? Allah le dit dans le Coran, le prophète le dit dans le Hadith. Celui qui a un atome d'orgueil, un atome, ne rentrera pas au paradis. Les compagnons vont avoir peur. Ils vont dire au messager d'Allah, c'est qui l'orgueilleux? Parce que nous on aime bien porter des beaux vêtements et de belles chaussures, vous inquiétez pas. Allah il est beau, il aime la beauté. Gardez de beaux vêtements, gardez de belles chaussures. Mais l'orgueil, le prophète va dire, c'est quoi? Batrul haq wa ramtun nas. C'est ne pas accepter la vérité. Vous l'acceptez pas la vérité. Et quoi? Vous méprisez les gens. Pas les musulmans, les gens. Vous les méprisez. Hein? Vous négligez, vous dénigrez les gens. C'est lui l'orgueilleux. Et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran? Oh. Allah a dit, malheur à tout calomniateur et diffamateur. Malheur, Allah, c'est la malédiction d'Allah. Hein? La malédiction d'Allah. C'est pas la nôtre. La malédiction d'Allah. Allah a dit malheur à tout calomniateur, diffamateur. La malédiction d'Allah va tomber à tous les calomniateurs de cette terre. Et les diffamateurs. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. La suite, vous êtes prêts? Il y a 14 siècles. On se réveille que maintenant. Et qui ramasse de l'argent sans la compter. Waouh, il y en a qui ont fait un métier. Sur les réseaux, ils calomnient et ils se font des likes, des vues et de la monétisation. On ne savait pas, mais il y a 14 siècles, on en a parlé. Malheur à tout calomniateur, diffamateur. Et ce n'est pas fini, hein. Ils ont aussi des gens qui les suivent. Vous avez vu le verset d'avant? Et ceux qui les suivent, on vous a suivi, on s'est abonné. Carrément, on a mis des petits cœurs, voire on a commenté, c'est le pire. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, qui ramasse de l'argent sans la compter, pensant qu'elle va l'éterniser. Qu'Allah, c'est quoi la fournaise, le feu? Al-Hutama.
Le Hutama, elle a dit, c'est un feu qui commence par les pieds, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'au cœur et qui fait exploser le cœur. C'est un feu spécial qu'Allah a créé pour les calomniateurs, ceux qui ne retiennent pas leur langue. Mes frères, on le sait tous. L'ennemi numéro un de l'islam, c'est les musulmans. C'est pas shaitan, c'est rigolo. Un jour, un savant m'a donné un exemple. Elle a dit un jour, c'est une métaphore. Hein. Un jour, il y avait shaitan et nefs. Vous connaissez tous le nefs. Hein. Shaitan et nefs se sont rencontrés. Ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Oh, je n'ai pas grand-chose. Viens, on va boire un coup à la terrasse. Ils boivent un coup, ils discutent. Et shaitan, il dit à nefs, tu sais, moi, je suis meilleur que toi. Nefs, il dit, pourquoi? Mais parce que moi, j'ai fait sortir Adam et Hawa du paradis. Waouh. Très bien. Essayez de serrer un petit peu, car là, vos récompenses, il y en a qui sont de vous. Barakallahu fikoum, il dit, ça passe vite. Donc, shaitan, il dit à nefs, quand même, hein, j'ai fait sortir Adam et Hawa du paradis. Je suis quand même assez malin. Regardez bien ce que va dire nefs. Il va dire, ah bon? Ben, moi, je pense que je suis plus fort que toi. Et shaitan, il dit comment? Parce que moi, à cause de moi, je t'ai fait sortir de la miséricorde d'Allah jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que je vous dis que shaitan, il n'arrive pas au niveau du nefs. Mais nous, mes chers frères, qu'est-ce qu'Allah dit dans surat Shams, surat 91? Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Qad aflaha man zakka. A réussi. Allah, il parle de ceux qui ont réussi sur cette terre. A réussi qui? Celui qui a purifié son âme. Celui qui s'est maîtrisé. Celui qui s'est corrigé. Celui qui s'est retenu. Celui qui s'est réformé. Qad aflaha man zakka. Wa qad khaba man dassa. Il a perdu. Celui qui s'est laissé aller. Il a perdu. Allah fait montrer le Coran ceux qui réussissent et ceux qui perdent. Et nous, on attendons sur cette terre, vous savez quoi? On aime bien corriger les gens. On aime bien corriger. Mais c'est quoi le plus important? Islah nafs ou islah nas? Mais nous, tous les musulmans du monde, on aime bien islah nas. Mais on n'aime pas islah nafs. On aime bien corriger les gens. Mais on n'aime pas se corriger nous-mêmes. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, que ce soir, on lit le Coran. Cette surat, Nour 24, 9 versets, lisez-les. Et celui qui n'a pas 4 témoins. Et après, je raconte une histoire sur les 4 témoins. Celui qui n'a pas 4 témoins, qui ne parle jamais. Subhanak Allah bihamdik, nashadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ça tombe bien, je commence par l'histoire. Tariq Dibash de Ibn Asakir, un jour le calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu est à Médine et il va poster un gouverneur à Koufa, plusieurs gouverneurs. Et à un moment donné, il y a un notable de la ville de Koufa qui connaît ses voisins et lui il va voir un homme qui rentre souvent chez une femme. Bon, il commence à avoir soudain hein, des mauvaises pensées. Un jour, son rideau avec le vent s'est poussé et il a vu l'homme et la femme dans une situation catastrophique pour lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti voir tout de suite 8 ses amis. Il a ramené trois amis avec lui, comme sont les 4. Il dit, regardez, c'est bon. On envoie un courrier au calife Omar ibn Khattab. Tel homme, il a quoi? Fait l'adultère avec telle femme. Omar, il convoque ce musulman. Il arrive à Médine. Il a dit, on m'a dit ça, est-ce vrai? C'est faux. Alors Omar, il convoque les 4 témoins. Il lui dit, c'est qui cette femme? L'homme, il dit, c'est mon épouse. Je vous assure que c'est personne d'autre que mon épouse. Les autres, ils ont dit, non, c'est une autre femme qu'on a vue. Alors Omar, il dit au premier témoin, est-ce que tu l'as vue? Et Dieu, je l'ai vue de mes propres yeux. C'est bon. Deuxième témoin, est-ce que tu l'as vue? L'homme, il dit, je l'ai vue de mes propres yeux. C'est bon. Le troisième témoin, est-ce que tu l'as vue? Il a dit, je l'ai vue de mes propres yeux. Très bien. Omar a dit, toi le quatrième, est-ce que tu l'as vu? Omar, j'ai des problèmes de vue ces temps-ci. Je ne suis pas sûr. J'ai des problèmes de vue. Je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, ce qu'Omar il a fait. Je ne vous raconte pas la suite de ce qu'Omar il a fait de ces 4 individus. Wallah, mes frères, on joue avec le Coran. Allah dit, s'il n'y a pas 4 témoins, tu n'as pas le droit de parler sur quelqu'un. Et nous, sur les réseaux sociaux, papa. Ça ne va pas, on a un problème. On ne croit plus au Coran. On ne croit plus en Allah. On n'a plus peur d'Allah. Et on se divise du matin au soir. Alors comment étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam quand ils faisaient des erreurs? Et comment le prophète a aidé alayhi salatu pour des musulmans qui font des erreurs? Parce que quand nous on voit un homme et une femme qui font des erreurs, où elle est dans sur les réseaux, où lui dit n'importe quoi, on est les champions pour dire « mais elle ne représente pas l'islam, c'est pas l'islam, ils nous font... » Non, c'est nous la honte. C'est nous la honte parce que quoi? On commente et on aime bien que le monde non musulman regarde comment on se déchire. Au lieu d'aider les gens, quand quelqu'un est malade, on le soigne ou on lui coupe le bras? Très bien. Allah Ta'ala dit dans le verset 159 de la surat Al-Imran, chapitre 3. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit?
فبرحمتي من الله لتلهم ولكنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. Allah dit, c'est par la miséricorde de ton Seigneur que toi, Mohammed, tu as été si doux envers eux. Mais si tu aurais été rude et dur de cœur, ils ne t'auraient pas suivi. Alors pardonne-leur et implore le pardon d'Allah pour eux. Pourquoi le prophète il va pardonner? Il va pardonner des musulmans, des sahaba qui ont fait une grave erreur. Après la campagne de Uhud en l'an 3, après celle de Badr en l'an 3 de l'Hégire, qu'est-ce qui va se passer? Les musulmans vont désobéir au messager d'Allah. Vous savez tous, ils vont désobéir. Et qu'est-ce qui va se passer? Échec cuisant pour les musulmans. Échec cuisant à la bataille de quoi? Uhud. Et beaucoup de musulmans vont périr et vont mourir. C'est une faute grave, une désobéissance. Et vous savez ce que le prophète il a dit? Il les a pardonnés. Et tellement que le prophète les a pardonnés, Allah il a descendu ce verset du Coran. C'est pas la miséricorde d'Allah que toi, Mohammed, t'es été si doux envers eux. Mais si tu aurais été rude de cœur, tu les aurais punis. Ils se seraient enfuis de toi. Alors pardonne-leur. Il les a pardonnés. Il a imploré le pardon d'Allah pour eux. Vous voyez? Quand un musulman fait une erreur, pourquoi tu le condamnes? Pourquoi tu la critiques? On représente ni le Coran, ni la Sunna, je ne sais pas ce qu'on représente. On représente le diable. C'est une honte. Une honte. Regardez comment étaient les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, c'est un savant qui a fait 2890 hadiths dans son Musnad, au tome 5, hadith 375. Un jour, Ali radiallahu anhu raconte qu'une fois, le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il va émigrer de Mecca à Médine, le lundi 12 Rabi'a 622, des groupes successifs vont partir de Mecca à Médine parce qu'ils sont persécutés. Et parmi ces groupes, il y avait un jeune homme converti à l'islam, fraîchement à la Mecque. Il arrive à Médine. Mais Médine, il n'y a pas beaucoup de musulmans. Il n'y a que 80 musulmans. 90 selon l'historien. La majorité sont quoi? Des Mazdéens, des polythéistes, des Zoroastriens, et puis les gens du livre. Et ce jeune, vous savez ce qu'il va faire? Comme il n'y a pas de quartier musulman, il n'y a pas de musulmans dans les cités, ben il va fréquenter des gens pas très catholiques. D'où l'importance de créer l'ambiance. Il va créer quoi? Ben il va partir dans un quartier pas très catholique. Il va commencer à boire de l'alcool. Il va en consommer. Hein, il va en cultiver. Il va coucher avec des filles. C'est pas le pire. Il va quitter l'islam. Qu'est-ce qu'on dira en 2024? La hawla wa la quwwata illa billah. Il nous fait honte. Voilà, voilà le musulman 2024. La honte pour nous. La honte pour nous de parler comme ça à un musulman qui a abandonné l'islam. C'est de notre faute. Vous allez voir pourquoi c'est de notre faute. Dans l'histoire numéro 2. Alors regardez bien, le prophète alayhi salatu wasalam, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ben, il mérite ce qu'il a. Non, il ne parle pas comme nous. Il va dans la mosquée. Il fait deux rakats. Il lève ses bras. Et il fait une dua. Oh Allah, qu'est-ce qu'il a fait ce jeune homme pour que tu l'abandonnes? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais on sait ce qu'il a fait. Nous on dirait quoi? Il mérite ce qu'il a. C'est ça? Il cultive ce qu'il a semé. Non, qu'est-ce qu'il a fait pour que tu l'abandonnes? Alors que le prophète est au courant de ce qu'il a fait. Il sort de la mosquée et Gabriel arrive. Il dit, Mohamed, Allah est au courant de ton invocation. Par dans tel village se trouve ce jeune homme. Il y va. Ah, il a fait dua, maintenant il fait dawa. Et il va pour la dawa. Il arrive dans le village, il voit ce jeune homme ivre mort par terre, sikran. Et qu'est-ce que le prophète dit? Regarde, les dealers, ils nous font honte. Regarde les garçons, les filles musulmanes, ils s'embrassent sur les réseaux, ils nous font honte. Regarde le bois d'alcool. On est que comme ça. Au lieu de sauver, au lieu de cacher, on se tourne à sa table. Non, nous on balance. Et on ne sait même pas que nos musulmans, ils applaudissent. Regardez, ils sont en train de se déchirer. Ils n'ont rien compris, les musulmans. Voilà, ils rigolent. Ils boivent un coca, ils rigolent. Ils rigolent qu'on se divise. Et nous, on croit qu'on est dans le hack. On n'est pas dans le hack. On ne sait pas faire la darwa. Le prophète, qu'est-ce qu'il le voit ivre? Il s'approche de lui, il lui met la main sur le visage. L'homme se réveille de son ivresse, il voit le messager d'Allah. Il a l'air aux yeux. Il dit pardon au messager d'Allah. Plus jamais je recommencerai. Il fait taouba, il revient à l'islam. Allahu Akbar. Voilà le prophète alayhi salam, comment il est avec un musulman qui s'éloigne d'Allah. Alors tous les jours, les musulmans s'éloignent d'Allah. Qu'est-ce qu'on fait nous? On casse. Et qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer notre propre destruction. On est en train de créer notre propre destruction de la communauté musulmane. C'est pas possible, c'est pas normal. Donc écoutez bien la deuxième histoire pour terminer. Dans le livre qui s'appelle 15 l'Ummal fi Sunan al-Aqwal wal-Af'al, Du'a al-Din Ali ibn al-Malik al-Muttaqi al-Husayn al-Hindi de 888, au tome 3, page 127. Regardez ce qu'il dit. Au temps du calife Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il est à Médine. Il a posté un gouverneur à Koufa qui s'appelle Abu Moussa al-Ashari. On l'appelle Abdullah ibn Qais radiallahu anhu. Il est là-bas. Et lui, Omar est à Médine, hein, 1226 km. Hein. Très bien. Rapporté par Abdullah ibn Omar, son fils, disent que j'étais avec mon père. On était lors des pèlerinages. Et mon père voit un jeune garçon sur une monture. Et Omar, mon père, me dit, je pense que ce jeune homme nous cherche.
Ben pour penser ça, mon frère, c'est que tu aimes aider les gens. Alors que souvent, quand quelqu'un te cherche, tu dis, mon frère, je me sauve, je n'ai pas le temps. Omar dit, je pense qu'il me cherche. L'homme s'approche de Omar et se met à pleurer. Omar dit, qu'est-ce qui t'arrive? Omar dit, qu'est-ce que tu arrives? Si tu es endetté, on t'aidera. On remboursera tes dettes. Si quelqu'un te fait du tort, on te protégera. Et si tu es un mauvais voisin, on te donnera un autre endroit. Le type, il n'a même pas raconté son problème que Omar arrive avec des solutions. C'est ça le musulman. Quand le musulman il te raconte ses problèmes, je fais doigts là pour toi. Minimum, minimum. On va demander à l'imam. On ne veut pas s'aider. On ne veut pas se soutenir. L'homme, il dit non, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Je suis venu de Koufa en Irak. 1226 kilomètres. Je suis venu parce que là-bas, il y a le gouverneur Abu Moussa al-Ashari. J'ai bu du vin. J'ai bu du vin. Il dit Omar, j'ai bu du vin. Omar, qu'est-ce qu'il a dit? Aoud billah, stafala, tu bois d'alcool? Non, 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 non. On n'a plus le droit de critiquer nos soeurs et nos frères. Qui que ce soit, même les dealers, même les filles qui dansent, on n'a pas le droit, c'est interdit. Qui t'a donné fatwa? Toi, t'es au-dessus d'Allah? Non, on critique personne. On sauve, on soigne, on aide. Omar ne lui a pas dit pourquoi tu bois du vin. L'homme a dit, j'ai bu du vin. Et le gouverneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rasé la tête. Il m'a rasé la tête. Il m'a fait défiler en public. Hachemni. Et il a dit aux gens de plus boire et de manger avec moi. Et je suis venu vers toi pour trois choses. Allahu Akbar. Je suis venu vers toi, 1200 km. Je suis venu vers toi pour trois choses. Soit je prends le fer et je le croise avec lui. Ou soit tu m'envoies au Chem en Syrie afin que je continue à pêcher. Ou soit je sors de l'islam. Omar se mit à pleurer. Non, surtout fais pas ça. Car avant l'islam, j'étais le plus grand buveur d'alcool. Fais pas ça. J'étais le plus grand buveur d'alcool. Ne fais pas ça. Omar y prend un papier, un crayon et il écrit une lettre. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Du calife Omar ibn Khattab, au gouverneur Abu Moussa al-Ashari, je suis au courant de ce que tu lui as fait à ce jeune garçon. Je t'assure que si tu recommences, je viendrai moi-même de Médine à Koufa et je te ferai ce que tu lui as fait. Et si tu ne crois pas, fais-le et tu verras. Omar lui dit à partir de maintenant, laissez-le tel qu'il est, qu'il se repente ou non. Et je t'ordonne qu'il mange avec tout le monde et qu'il boive avec tout le monde. Il lui donne 210 dirhams. 210 dirhams et une monture fraîche. Le jeune homme arrive à Koufa, il donne la lettre. Abu Moussa se met à pleurer et dit, je te demande pardon. Non, c'est moi qui te demande pardon parce que je suis parti voir le calife. Ils se sont pardonnés. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne boirai plus une seule goutte d'alcool. Alors mes frères, vous voulez que les musulmans ils arrêtent des péchés? Vous voulez qu'ils arrêtent de faire des péchés? Stop. Tant que tu critiqueras les musulmans, ils continueront. Après, on se pose des questions. Tu penses qu'un musulman, il va dans un café. Moi, je vous défie, moi, je me défie. Va dans un bar à Paris. Tu vois des musulmans qui boivent de l'alcool. Tu vas rentrer, tu dis, tu vas sortir 3-4 versets du Coran. Tu vas sortir en slip, mon frère. Il me dit, mais c'est qui, toi? Toi, t'as la sagesse, t'as la hikmah. Même si t'as le Coran, t'as pas la manière prophétique. Et nous, le problème, on est là. Comme on n'a pas la manière prophétique, on sort des versets, des paroles d'Allah. Pourquoi? Pour soi-disant remettre les gens sur le droit chemin. Au contraire, tu les fais fuir. Si le prophète, tu leur as dit aux gens de Uhud, écoutez, vous avez désobéi, je vais vous sortir des versets du Coran. Non, il leur a encore fait mal, il les a pardonnés. Il a sorti aucun verset du Coran. Il a été doux, il les a pardonnés. Il a fait aucun reproche à ceux qui ont désobéi, qui étaient la cause de plusieurs personnes qui sont mortes. Mes frères, rentrez ce soir, lisez sourate Nour. Allahumma hadina fiman hadayt wa afina fiman afayt wa tawallana fiman tawallayt bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah, toi le créateur des cieux et de la terre, retire la calomnie de notre cœur. Retire la jalousie de notre cœur. Retire la rancune de notre cœur. Retire le poison qui est en train de détruire de l'intérieur. Allah, sur la communauté musulmane, on est divisé. On est divisé dans les quatre coins de l'humanité. Et Allah, nos frères sont perdus. Nos sœurs sont perdues. Nos mamans sont perdues. Les papas sont perdus. Allah, unis-nous. Allah, fraternise cette communauté. Mets l'amour entre nous, Allah. Retire les parasites qui nous divisent. Allah, on demande une chose avant de mourir. Une seule. Réunis cette communauté musulmane. Réunis-nous près de toi, Allah. Fait que les 1 milliard 800 millions de musulmans, on soit réunis. Allah, fait qu'on aime les musulmans. Fait qu'on déteste plus les sœurs. Qu'on critique plus personne. Allah, pardon si on t'a désobéi. Allah, pardon si on désobéit à nos parents. Pardon si on a critiqué les gens. Pardon si on a fait pleurer nos mamans. Pardon si on a frappé nos enfants. On te demande pardon, Allah. Protège-nous du feu de l'enfer. Qui pourra nous protéger si ce n'est toi, Allah? Personne pourra nous protéger du feu de l'enfer, ya Allah. Allah, nettoie notre cœur. Allah, nettoie notre cœur. Allah, nettoie notre pensée. Mets la lumière de la religion dans notre cœur. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, Allah,
on se repent, qu'on fait de la carte, de repentir, et plus jamais on pensera du mal de qui que ce soit des musulmans qui habitent sur cette terre jusqu'à la fin de notre vie. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamu ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim as-salah. Je ne l'ai pas fait.